Halo The Master Chief Collection accueille sur PC 1-1 tous les volets de la saga de Halo Reach disponibles dès maintenant jusqu'à Halo 4 en 2020. Après nos débuts sur Halo Reach sorti le 3 décembre 2019, nous continuons la suite de cette aventure avec Halo Combat Evolved Anniversary. Halo CE Anniversary est une version remasterisée du tout premier opus de la saga créée pour célébrer le 10e anniversaire de cette série devenue l'une des plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. L'histoire nous fait incarner le Major, un surhomme mystérieux muni d'une armure intégrale verte que l'on contrôlera tout le long de l'histoire. Après s'être posé en catastrophe sur un mystérieux anneau planétaire appelé Halo, le Major est chargé d'aider les humains survivants à lutter contre la terrible armée Covenant, une force militaire extraterrestre. En compagnie de Cortana, une intelligence artificielle supérieure, ils découvrent l'obscur secret de Halo et se battent alors pour protéger toute vie dans la galaxie. Bienvenue sur la Gata TV, je suis le Droid Geek et je vous accompagnerai tout le long de cette série. Sans plus tarder, c'est parti! Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. On ne savait pas où on allait. Comment sont-ils ? Arrivés ici avant ? Leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides ? Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein ? Avant de décélérer, personne n'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Ils nous attendaient de l'autre côté de la planète. Alors, qu'en est-il ? Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours. Rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Avec 3 vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Bien, on y est. Rétablissez l'alerte Alpha sur le vaisseau. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde ? Tout le monde. Au fait, Cortana. Accueillons chaleureusement nos vieux amis. J'ai déjà commencé. Attention à tout le personnel de combat. Veuillez rejoindre vos postes. Cinquième section, fermez les sas du pont 11. Quatorzième section, retrouvez la section tactique 22 à la cloison Charlie 14. Vous avez entendu la dame ? Allez un peu de nerf ! Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Les gars, c'est ici qu'on va montrer à ces saloperies de face de pieuvre qu'ils auraient dû réfléchir avant de s'attaquer à l'espèce humaine. On va faire de la bouillie de ces épouvantails d'opérettes jusqu'à ce qu'on ait plus une seule cartouche, et ensuite, on les étranglera avec leur propre boyau. J'ai raison, Marines. Oui, sergent. Ça oui, j'ai raison. Allez en route, et que ça saute. Votre attention à tout le personnel. Nous attaquons de nouveau l'ennemi. Contact externe et interne imminent. Et vous, les bleus qui vouliez voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés. Waouh ! Monsieur ? Bien. On attend le dégel. Ok. Systèmes fondamentaux activés. Ouverture dans 30 secondes. Ça y est ! Ouverture dans 5 secondes.
Et nous voilà sur le jeu. Ah, ça fait plaisir de revenir sur Halo 1. Ou autrement dit, Halo CE Anniversary. Ah. Franchement, les graphismes pour l'âge ne sont pas dégueux, pas dégueux du tout. Je dirais même qu'ils sont plutôt pas mal. C'est sûr que ça change un peu des jeux qu'on a actuellement. On va te suivre, mon petit bonhomme. Ça change un peu des jeux qu'on a actuellement, mais... Ouh. Mon petit gars, t'as fait le saut de l'ange. On va passer par ici. Donc je joue actuellement au clavier et à la souris. Donc j'ai déjà commencé à jouer un peu. Donc je dois vous avouer que ce jeu-là, je ne m'en souviens plus énormément. Par là, on ne peut pas y aller. Mais en tout cas, les événements se passent après Reach. J'aimerais bien partir, mais... Ah, par ici. Allez, hop. Faut regarder un peu partout. En espérant que ça ne soit pas derrière. Ça doit être par là. On va aller par ici. Non, là c'est fermé. J'arrive. Direction la passerelle. On va aller par là. Tenez bon, j'ai pas encore d'armes. Là c'est par là. Et voilà, on arrive à la passerelle. On va parler au commandant qui se trouve juste là. Capitaine Keyes. Ravi de vous voir, adjudant. Les choses tournent mal. Cortana a fait de son mieux, mais c'était perdu d'avance. Une douzaine de cuirassés des Covenants contre un seul croiseur de classe Alcyon. Vu la situation, je suis contente avec trois. En fait, quatre cibles abattues. Bien dormi ? Oui, mais pas grâce à votre pilotage. Je ne faisais que vous bercer. Au rapport. Ça doit être un de leurs groupes d'abordage, une charge antimatière, j'imagine. Madame, la conduite de tir du canon principal est désactivée. Capitaine, le canon était ma dernière option offensive. Très bien. J'applique le protocole Cole, article 2. On abandonne l'automne. Et vous aussi, Cortana. Et pendant ce temps, vous coulez avec le navire? C'est à peu près ça. L'objet qu'on a trouvé, je vais essayer d'y poser l'automne. Sauf votre respect, chef. Cette guerre a déjà tué trop de héros. J'apprécie votre intérêt, Cortana, mais le protocole est clair. La destruction ou la capture d'une intelligence embarquée est hors de question. Ce qui veut dire que vous devez quitter le vaisseau. Désignez plusieurs zones d'atterrissage, téléchargez-les dans mon réseau neural et préparez-vous à un dur transfert. Aïe aïe, chef. C'est là que vous intervenez, adjudant. Débarquez Cortana du vaisseau. Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'il la capture, ils sauront tout sur nous. Dispositif, recherche en armement. La Terre. Je comprends. L'automne va continuer ses manœuvres jusqu'à ce que vous lanciez la séquence d'atterrissage. Un conseil. Laissez mes sous-programmes superviser l'approche finale. Excellent travail, Cortana. Merci. Vous êtes prête? Transférez-moi. Bonne chance, adjudant. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il n'est pas chargé. À vous de trouver des munitions en chemin. Et voilà, on vient de récupérer Cortana, que l'on a intégrée à notre architecture mécanique, soit notre armure. Et on va aider Cortana à s'échapper de ce vaisseau, donc du Pillar of Autumn. Donc pour cela, on a une petite arme. Hop. Bon, sachant que je joue en difficulté héroïque, un niveau en dessous du plus haut niveau. J'aime bien un peu la difficulté sur Halo. On va aller aider nos coéquipiers. Allez, hop.
Oh, il a rien compris, lui. Couvrez-moi. Allez, hop. Oh, par contre, là, ça craint. Ah, vous m'empêchez de passer, là. Allez, on y va au pétoir. Oh, je pensais avoir plus de munitions que ça. Allez, hop. Lui, c'est fait. On recharge le petit flingue et on va aller par là. Encore un ennemi. Bim! On va aller... C'est par où? C'est par là. Allez, hop. Là, par ici. Donc pour cet épisode, je pense... enfin, pas que cet épisode, cette série, vu que je vais faire le Halo 1 en entier, comme tous les autres Halo. Donc ce que je pense faire, c'est changer mon système de record... Sur Halo Reach, j'avais tout record en une seule fois et puis j'avais posté les épisodes comme ça. Là, je vais faire un minimum de montage, histoire que les épisodes soient assez courts pour avoir un maximum de contenu. Donc toutes les phases où je marche, je vais les squeezer. Yep. Bon, bien sûr, je vais pas faire comme sur Reach. Je vais essayer de m'abriter un maximum. Ouh, lui, je l'avais pas vu. Hop là. Ils utilisent les sas de nos nacelles de survie pour aborder. On sort et ils entrent. Ils sont malins. Ouais, on va pas les laisser rentrer comme ça. Enfin, du moment que l'on sort tous en entier, c'est le principal. Allez, hop. On n'oublie pas de recharger. Je ne sais plus c'est quoi la touche pour mettre la lumière. Ah, c'est celle-là. Hop. Bon, j'espère que l'on verra un maximum. Donc là, pas de vision thermique comme sur Reach. Je vous rappelle que là, on est sur vraiment le tout premier Halo qui est sorti. Hop là, toi, tu vas pas t'en tirer. Oh l'enfoiré, il a esquivé. Par contre, eux, ils ont pas changé, ces petites bestioles-là. C'est toujours des gros fuyards. C'est ceux qui me font le plus délirer. Ils se barrent en courant avec des petits mots comme « aïe, 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 aïe ». Hop là. Hop, hop. Équipage et personnel opérationnel. Joignez immédiatement les postes d'évacuation. Mais quand on regarde, ça n'a pas trop changé au niveau gameplay, tout ça. Il y a vraiment un point de vue au niveau physique qui a beaucoup changé, mais niveau gameplay, il n'y a pas tant de différence que ça. Bon, peut-être un peu plus de réalisme, mais... Le but, je le rappelle, c'est de s'échapper du vaisseau. Il se pose au-dessus de nous. Ah. Ouh. Ah, passe pas devant toi. Il en reste plus qu'un qui court dans tous les sens là, mais on l'a eu. Allez.
On continue. C'est par où? C'est par ici. Les nacelles de survie ont été lancées. Ils sont en train de nous attaquer. Il va falloir se dépêcher de sortir de ce vaisseau si on ne veut pas mourir. Rejoignez les postes d'évacuation les plus proches. Les Covenants détruisent les nacelles de survie. Ils ne veulent pas de nous sur cet anneau. Attention, fermeture des portes. Il faut emprunter les issues de maintenance du vaisseau. Suivez le point de navigation, il vous guidera vers une sortie. Ok. Hop là. On va essayer de trouver la sortie. On va aller par là. Vers la droite. Vers la gauche, vers la droite. Oula. Mon bouclier a pris cher. Donc ma vie se trouve en haut à droite avec le bouclier. Le bouclier, je ne sais plus comment il l'appelle. Mes munitions sont à haut à gauche. Pas hésiter à les bourriner. Les Covenants voulaient vous prendre par surprise, on dirait. Coco. Et la première mort. Il m'a sauté dessus, l'enfoiré. Ouais, on va recommencer ça. Et surtout qu'on peut les carotter de plusieurs sens. Normalement, il y a moyen de passer là. Hop là. Bon, plus de munitions dans le petit flingue, on va prendre leurs armes. Une nacelle de survie. Vite, montez à bord avant son départ. La nacelle. La petite nacelle, elle est où? C'est celle-là là? Décrochez en position défensive secondaire. Par où est la nacelle? Non, par là j'en viens. Par là j'en viens. Ah non, les nacelles, à mon avis, elles doivent être de ce côté-là. Ah, ici. Oh non, oh non. Non. Ce serait vraiment une bonne idée de filer. Allez-y. À vos ordres. On est dégagé. Distance de sécurité dans 5 secondes. On va réussir, pas vrai, chef? Mais je veux pas mourir ici. Regardez! Qu'est-ce que c'est que ce truc, lieutenant? Aucune idée, mais on y atterrit! L'automne! Il a été touché! J'en étais sûr. L'automne accélère. Qui se passe en manuel? Attention, on y est. Entrez dans l'atmosphère de l'anneau dans 5 secondes. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir? Ça va aller. S'il me restait des doigts, je les croiserais.
Chef, chef, vous m'entendez? Ah, enfin, ça va? Vous pouvez bouger? Et nous venons d'atterrir en urgence et malheureusement... On n'a rien pu faire. Personne n'a réussi à résister, ils sont tous morts. En même temps, vu la violence du truc... Ouais, et il s'est écrasé comme attention, ça. Plusieurs vaisseaux des Covenants s'en approchent. Oh, par contre, on va se casser. Je vous conseille de rejoindre ces collines. Avec un peu de chance, les Covenants croiront que l'équipage de cette nacelle a péri dans le crash. Oh, c'est comme MO. Les Covenants s'en approchent. Ils doivent rechercher les survivants. Je vous conseille de partir immédiatement. J'aimerais bien partir immédiatement, mais... Ils sont en train de fouiller la zone. Oh, par contre, regardez-moi ces arbres. Ils sont un peu bizarres. Ah oh, putain, ils ont mis des petits vaisseaux volants. Oh, il y en a un juste là. Bon, on va rester planqué là le temps qu'ils s'en aillent.